Quelle belle journée. L'hiver n'est pas aussi long qu'on le prétend. C'est déjà le printemps de la lumière. Ah, mais je n'attends personne. À moins que ça ne soit Pierre-Paul qui me fasse une surprise. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, entrez. Il fait un de ces froids. Ah oui, je vous remercie. Oui, vous avez raison. Le mois de février, même s'il ramène la lumière, ne ramène pas pour autant la chaleur. Je me présente, je suis le père Albert Joyal, franciscain, comme vous l'avez sans doute deviné. Oui. Si je peux être de quelque secours pour vos bonnes œuvres... Non, vous êtes bien gentil de montrer un tel empressement, mais je ne suis pas ici pour mes bonnes œuvres, comme vous dites. Ah non? Non. Quoique tout geste de bonne volonté puisse être considéré comme une bonne œuvre. Et sur ce point, je viens vous entretenir d'un sujet qui fera précisément appel à votre bonne volonté. Vous m'intriguez, mais donnez-moi donc votre cape. Oui, merci. Alors, voilà. J'ignorais que les franciscains portaient encore la robe de bure. Oui, tous ceux qui le veulent, et comme je suis d'un autre âge, enfin, d'une autre époque, je n'ai jamais cessé de porter la mienne. Oh, c'est tellement beau. Oh, je ne la porte pas pour cette raison, ce serait vanité. Non, c'est une vieille habitude, et en même temps, une sorte de fidélité à une tradition qui remonte à François. François? François, notre fondateur, Saint François d'Assise. Oh, quel homme merveilleux! Et quel personnage! Il a d'abord été un jeune homme du monde, avant d'en découvrir les vanités. Mais dites-moi, mon père, n'aimeriez-vous pas vous asseoir? Je vous remercie, madame. Merci. Oh, excusez-moi, mais j'ai oublié votre nom. Le père Joyal, Albert Joyal. Comme vous le plaisir de votre visite, mon père. Je dois d'abord m'excuser de m'être présenté chez vous à l'improviste. Mais non! Quand on fait ainsi du porte-à-porte, c'est non, tout à fait... Non, pardon, madame, vous vous méprenez. Je ne fais pas du porte-à-porte. Non? Non. Votre beau-père, monsieur Auguste Pinson, et une de mes tantes, madame Marie-Rose Moineau... Vous voulez dire que vous êtes le neveu de cette personne? Oui, puisqu'elle est ma tante. Oh, ne me dites pas que vous êtes venu enfin pour leur faire entendre raison. Mon mari et moi avons tout tenté, mais en vain, pour les dissuader de mettre leur projet à exécution. Le père de Pierre-Paul, enfin mon beau-père, a pour ainsi dire complètement perdu la tête. Mais il a trouvé l'amour. Pardon ? Oui, il a sans doute trouvé l'amour, puisqu'il songe au mariage. Mais à son âge, il me semble qu'on devrait pouvoir contenir ses... Mais contenir son... Mais enfin, se contenir. Vous savez, la continence est une vertu à laquelle tous les hommes ne sont pas appelés. Tout de même. Et le sentiment amoureux, dès qu'il s'insinue dans un cœur, même dans celui d'un homme de son âge, l'emporte bien vite sur tout ce que nous appelons la raison. Si je comprends bien, vous venez plaider en sa faveur. En faveur de l'amour, oui. Mais mon père, l'amour ne doit pas faire fi de tout et de tous. L'amour, chère madame, doit suivre son cours. Oh oui? Oui, mais pas le déborder. Grand-père, je veux dire, le père de mon mari, vivait une retraite paisible et agréable à tout point de vue. Son fils, mon mari, et son petit-fils, notre fils, avocats tous les deux, assuraient sa succession à tous égards. Certes, ma tante Marie-Rose n'est pas du même milieu. Et je vous le concède, elle n'est pas du même niveau. Je ne dirais pas intellectuel, mais culturel. Je connais M. Pinson. Vous connaissez mon mari?
non, le père de votre mari, Auguste, comme l'appelle si affectueusement ma tante. Mais comment se fait-il que vous le connaissiez? Je l'ai rencontré. Ah oui? Hier soir, oui. À notre insu? Ah, je ne sais pas s'il vous a prévenu ou non de notre rencontre. Il s'en est bien gardé. Il avait sans doute ses raisons. Celle du cœur, oui. Quoi qu'il en soit, nous avons eu ensemble une conversation très intéressante. Votre beau-père est un homme remarquable. Mais c'est bien pour cela que nous sommes étonnés, mais au plus haut point de ce qui lui arrive. Vous voulez sans doute dire plutôt de la personne avec qui la chose lui arrive. Si on veut, oui. Vous êtes-vous demandé quelle part prenait la vanité dans votre attitude? La vanité. Il nous semble que la disparité dans une telle union est trop grande, c'est tout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est rien de plus insidieux que la vanité. Même l'humble franciscain que je suis succombe. Elle sait se cacher sous des apparences de raisonnement infaillible. Mais tout n'est pas que vanité, tout de même. Vanitas, vanitatum, vanité des vanités. Mais, ma chère madame, je ne suis pas venu ici vous faire la morale. Ah non? Non. Je me bornerai simplement à vous rappeler une certaine générosité, celle du cœur. Et je suis sûr que le vôtre n'en manque pas. Votre beau-père a trouvé un bonheur que vous ne pouviez pas lui imaginer, mais dont la piété filiale vous oblige en quelque sorte à vous réjouir. Non, monsieur, vous m'avez apporté votre robe. Ah, ouais, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à y faire. Heureusement, c'est à soi, vos fiançailles. Oh, mon Dieu, je suis assez nerveuse, là. Pas autant que la première fois, quand même. C'est pire. La première fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Oh, puis là, plus que j'y pense, là, j'ai le cœur qui me flotte en dedans. Qu'est-ce que ça va être à soi? Non, pas le mot sans pas. Hein? C'est quand Auguste, là, va me passer l'anneau. Ah, puis qu'Albert va nous bénir. Oh, mon certain, je vais brailler. Y est-il arrivé, votre neveu franciscain, là? Ah oui, il a rencontré Auguste hier soir. Ouais. Et puis après-midi, ben, il doit aller chez les Pinsons. Chez les Pinsons, pour que faire? Pour leur parler de la charité chrétienne. Oui. D'ailleurs, la charité chrétienne à elle seule suffirait à vous interdire d'entraver leur bonheur. Et le nôtre, notre bonheur, la même charité chrétienne, comme vous dites, ne leur commande pas d'en tenir compte? Ils sont âgés, tous les deux, tandis que vous et votre mari êtes encore dans la force de l'âge. Pour eux, c'est la dernière chance. L'occasion de se vouer mutuellement l'un à l'autre et de vivre ensemble les dernières années de leur vie. D'exprimer cette tendresse qui habite le cœur de l'homme jusqu'à son dernier souffle. Vous comprenez? Oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup, si la chose est possible, rencontrer votre mari. Il est au bureau. Je pourrais m'y rendre. Maintenant? Oui, s'il peut me recevoir. Car c'est ce soir que je dois bénir leurs fiançailles. Quoi? Ils font bénir leurs fiançailles? Mm-hmm. Mais, et où ça? Chez mon cousin. Et quel cousin? Le fils de ma tante Marie-Rose. Pas le chauffeur de taxi? Ah, il est chauffeur de taxi, en effet. Où il y a bien longtemps que je ne l'ai vu, ce cher cousin moineau. Mais comment se fait-il que grand-père nous ait caché la chose? Il a sans doute voulu éviter quelques émois. Qu'est-ce que mon mari va dire quand il va apprendre ça? C'est pourquoi j'aimerais beaucoup le rencontrer. Bon, je vais lui téléphoner. Ah, vous êtes gentille, madame. Ils font bénir leur fiançaille. On aura tout vu. Alléluia.
Marcel Marie, as-tu été acheter le rosé toujours? Ben oui, ben oui. Hey, ça aurait bien voulu t'arrêter là, puis t'aurais dit ça. Quand Auguste a fait sa grande demande. J'imagine ça, oui, avec du rosé en plus, là. Non, il avait sa tête à lui. Ouais? Ouais. Eh bien, c'est moi qui a perdu la tête un petit peu. Mm-hmm. Mais tu comprends, moi, il parle tellement bien. Ah, oh, un avocat, hein? Hey, tu sais pas, hein? Ben, il veut m'emmener en France en voyage de noces. Ouais, vous allez pouvoir vous rapporter de la terre de Normandie en masse, là, hein? Non. On ira en Provence, puis sur la Côte d'Azur. Oh. Tout. Père Albert Joyal. Joyal. J'ai rarement l'occasion de recevoir un franciscain à mon bureau. Je suis spécialiste en divorce. Ah, parce que vous vous occupez surtout de causes de divorce. Et de séparation. Mais donnez-moi ça que je vous débarrasse. Je vous remercie. Ah, le divorce, quelle histoire. C'est une histoire dans laquelle je suis plongé à longueur d'année. Mais toujours la même, d'ailleurs. Ça vous plaît? Le divorce? Non, votre travail. Oh, vous savez, on ne s'habitue pas. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Je vous remercie. Oui, on est comme un médecin devant la mort de son patient. On se résigne. C'est vrai que le divorce n'est pas un événement joyeux. Et la plupart du temps douloureux. C'est pourquoi je comprends mal qu'il soit si répandu. On a sûrement une fausse idée de l'amour humain. Nos pères et mères savaient, eux, que cet amour était fait de générosité, de grandeur d'âme. Ainsi, votre père, par exemple, que j'ai rencontré hier soir... Ah, vous avez rencontré mon père? Oui, nous avons bavardé une heure à la veille de ses fiançailles avec ma tante Marie-Rose. Ah, parce que les fiançailles auront lieu ce soir comme prévu. Oui, en effet, j'aurai le bonheur de bénir leurs fiançailles. Hein? Ils font bénir leurs fiançailles. Ne trouvez-vous pas qu'il s'agit là d'un beau geste de leur part? La bénédiction, oui, mais les fiançailles, non. Oui, je sais, votre femme m'a mis au courant de vos réticences. Mais enfin, vous comprenez facilement, mon père, que mon père, que je continue de respecter, bien sûr, comme un père, n'a pas manqué de nous étonner en se laissant embarqué, si je puis dire, dans cette galère. Madame Moineau, mère, c'est-à-dire la grand-mère, Moineau, votre tante, quoi, est une personne que ma femme et moi, nous trouvons charmante, certes, voire même amusante, parfois. Mais comme déjà sa petite fille, Caroline, partage l'appartement, enfin, la vie, quoi, de notre fils unique. Vous admettrez facilement que ma femme et moi, nous avions et nous continuons d'avoir des raisons sérieuses de nous opposer à une éventuelle union entre le grand-père de mon fils et la grand-mère de sa petite-fille. Mon cher maître, votre plaidoirie m'épate. Je vous remercie. Mais votre père m'épate davantage. Ah bon? Bien sûr, il vous a fait sa plaidoirie lui aussi. Non, pas du tout. Il a laissé parler son cœur. Quand on perd la raison, le cœur prend la parole, c'est-à-dire prend le dessus. Je ne suis pas avocat. Je suis franciscain. Et je ne viens plaider ici d'autre cause que celle de l'amour et de la charité aussi. Votre père m'a communiqué votre position à son projet. Sans s'en soucier pour autant. Au contraire, il est le premier à en souffrir, croyez-moi. Eh bien, ma femme et moi, nous sommes les deuxièmes. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point il est désolé de vous faire quelque peine que ce soit, à vous et à votre femme. À ce point-là. Il aurait tant aimé que cette occasion en soit une de réjouissance. Tout autant pour vous deux que pour lui-même. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Malheureusement.
En effet. Pourtant, cet homme qui vous a tout donné, qui a été d'une fidélité exemplaire envers votre mère, et qui reste, même dans un nouvel amour, fidèle à sa mémoire. Mon père, je vous en prie. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Bon, je vous écoute. Cet homme, dis-je, mériterait, il me semble, un bon mouvement de votre part. Écoutez, ça n'est pas parce qu'il se fiance ce soir ou qu'éventuellement il se mariera qu'il n'en reste pas moins mon père. Et je lui garde, bien sûr, toute mon affection. Mais encore faudrait-il la lui montrer, et non seulement à lui, mais à elle aussi. À elle ? Celle qui deviendra sa femme. Vous en demandez beaucoup. C'est qu'il vous a beaucoup donné. Lui, mais pas elle. L'amour que votre père lui porte vous oblige, non pas à l'aimer, certes, mais à l'accepter. Et mieux encore, à l'accueillir. Hey! Oh, que vous va bien! Tu trouves? Oh oui, puis la couleur est donc belle. Hey, c'est la couleur préférée d'Auguste. Hein? Et c'est donc un homme qui a du goût, hein? Ah, hey, j'espère qu'il va l'aimer. Tu hein? veux bien que oui? Oui. Un soir de fiançailles. Ah, c'est donc de valeur que ça fasse pas l'affaire de tout le monde, va. Faites-vous-en pas. Avec le temps, ça va s'arranger. Ah oui, avec le temps. À notre âge, le temps. Faut pas compter dessus comme à 20 ans. Allô, mon Pete. Ah, ben, qu'est-ce? C'est pas notre fiancé? Non, ça lui arrive. Non, je suis pas votre fiancé. C'est la fiancée d'Auguste. Qu'est-ce qui arrive, là, votre futur? On va à 8 heures. Puis mon cousin, là, le franciscain, il est arrivé en ville? Oui, il est arrivé hier soir. Vous n'avez pas manqué ça? Ah, ben, on a passé la veillée avec lui, Auguste puis moi. Il vous a-tu donné des cours de préparation au mariage? Je peux bien rire, mais n'empêche, hein, que je connais bien des femmes qui changeraient leur mari pour un franciscain. Ouais. Si tu veux parler là, hein? Bon, si tu penses que je vais me laisser piler ses pieds par mon garçon, surtout, hey, le jour de mes fiançailles. Ben oui. Je dois bénir leur fiançailles vers 9h. Eh bien, j'en parlerai à Marie-Hélène. Essayez donc de la convaincre. Ça, je n'ai pas réussi à convaincre mon père. Je ne peux pas vous promettre que je pourrai convaincre ma femme. Votre père serait tellement heureux d'un tel geste. Ah oui, bien sûr. Et Dieu vous le rendrait au centuple. Mais ma femme en prendrait la moitié. Ben, si j'étais à votre place, je lui ferais la surprise. Oh, mais on ne peut pas s'amener comme ça sans prévenir chez les moineaux. Eh bien, je préviendrai moi-même. Mais la chose n'est pas encore faite, elle n'est pas décidée. Je suis sûr que si vous le voulez, votre femme le voudra aussi. On voit bien que vous n'êtes pas marié, vous. Ah, on connaît peut-être mieux les femmes ainsi. En général, oui, mais en particulier, c'est autre chose. Bon, eh bien, moi, je dois rentrer chez mon cousin Marcel Marie. Vous avez une voiture? Je suis franciscain. Je n'ai que ma robe de bure, et encore, elle appartient à la communauté. Oui, mais alors je vous raccompagne. Eh, voilà. T'es sûr, là, que tu veux pas rien prendre? Non, merci. Mais, j'aimerais plutôt te parler. De quoi? Mais de ta mère. Ah! Je sais que tu n'es pas très heureux de la voir se fiancer. Mais bon, il me semble qu'elle a pu se poser de ça. J'ai vu les pinsons aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Pour leur faire entendre raison. Mais c'est à ma mère que j'aurais dû faire ça. Mon cher Marcel Marie, ta mère a droit aux quelques dernières années de bonheur que le Seigneur veut bien lui accorder. On voit bien que t'es fait pour faire un père franciscain, toi. Chacun sa vocation. Donc, il n'est pas impossible
que M. et Mme Pinson se joignent à nous pour la cérémonie des fiançailles. Qu'est-ce que tu dis? Chut, pas si fort. La chose n'est pas encore certaine. Oui, mais voudrais quand même le savoir. Tu préviendras ta femme discrètement. Il est bon, toi. Marie-Hélène, sais-tu, je l'ai trouvé plutôt sympathique, ce bon père franciscain. Ah oui? Non pas qu'il m'ait convaincu du bien fondé de ses fiançailles. Mais j'espère. Mais il m'a parlé de mon père en des termes, d'une façon qui m'a touché. Est-ce qu'il t'a parlé aussi de sa fiancée? Marie-Hélène, c'est de mon père qu'il s'agit. Ben, hier encore, tu me disais toi-même que... Hier, c'était hier. Eh bien oui, hier, c'était la veille de ses fiançailles. Et ce soir, c'est le jour même. Précisément. Oui. Je me demande si papa ne mériterait pas que... Bon, enfin, c'est mon père, après tout, et le grand-père de notre fils unique. Tandis que Madame Moineau et la grand-mère de Caroline, dont Pierre-Paul est amoureux. Tu vois? Non, non, je ne vois pas. C'est-à-dire que, en écoutant ce matin ce bon père franciscain... Tu as été touché par la grâce. Marie-Hélène, de grâce, non, non, je pensais que j'aurais aimé que la joie de mon père... J'aimerais que la joie de mon père... soit complète. Et il serait sûrement plus heureux si nous étions là. Où ça? Là, à ses fiançailles. Tu ne veux pas dire que tu aurais l'intention d'aller chez les moineaux ce soir? Bon, vous êtes parfaite, là. Hey, t'es sûre de ça, ben, non? Oui, grand-maman. Viens voir ça, le bain. Écrivez-t'en, ça vous fait vrai qu'elle vous fait bien, ce robe-là? Monsieur Ardente, il vous attend au salon. Vas-y, pousse pas.